Voilà. Donc ouais, petit un showdown parce que bah ça fait longtemps en plus. Qu'est-ce que quoi? Qu'est-ce qui s'est passé, Momo? T'as fait un bruit? Hunt. Ah d'accord, Hunt. Est-ce que du coup on peut inviter deux potes en même temps cette fois-ci? Est-ce qu'ils l'ont fixe depuis 6 ans là? Voilà, plutôt tu sais qui. Tu sais je vous ai invités tous les deux, on va voir. Et j'ai pu rejoindre. Oh, là, moi aussi, je crois. Oh la vache. Tiens, on joue des clones. Putain, ah oui, bah encore. Et c'est incroyable. Putain, mais non, faut pas que je prenne ma manette de PS3. À chaque fois qu'on joue ensemble, on se retrouve toujours à jouer les mêmes blagues en fait. Par contre, attends, vous voulez recommencer le jeu avec des persos qui sont niveau 12? Vous voulez pas reprendre un truc niveau 1? Je vais prendre un chasseur de merde moi. Parce que je veux pas. Je vais prendre un chasseur gratuit moi. Hein. Ouais, mais le mien il est chiant, ça me saoule. Le loser il a pas de pinceau de tier 3. Bah ouais, mais j'ai pas beaucoup joué moi au jeu. Hein. Je sais même pas ce qu'ils sont. Non, c'est des niveaux de rien, moi, mes chasseurs. Si, en fait, c'est quand tu vas dans le chasseur et que tu fais recruter, tu peux voir que des fois, au-dessus, il y a tier 1, tier 2, oui, mais 3. Je parle des chasseurs que j'ai déjà. C'est des chasseurs de rien, en fait, les miens. C'est juste des chasseurs recrutés à la pute, en fait. Oui, qu'on a monté, oui. Bon, attends, je vais prendre un chasseur à la con. Voilà, celui-là qui est gratos. Wallist, qui est encore une blague, d'ailleurs. Bon, écoute, c'est bien, ça va pas trop me changer déjà de le perso que j'avais avant et de The Division. Voilà, c'est un Gun Chained. Avec, je pense, le flingue le plus éclaté du monde. When I'm not afraid to do the Lord's work. Ok, contrat à toi. Maintenant, tu peux faire tourner les persos de tes potes. Wow, oh, y a pas de physique sur les. Ouais, elle a pas de chambre. Par contre, moi, y a des physiques sur ma veste. Ah oui, donc. Il y a pas des physiques sur. Non, je vais rien dire. Je dis rien. Tu voulais dire quoi? Je sais pas. Je vais le passer en message codé. Wapal qui dit Momo il joue Idriss Elbof. Ça m'a fait beaucoup rire. Ça c'est les tiers 1. Ouais, j'ai que des tiers 1 du coup. Mais je vous dis, je me souviens plus du tout du jeu. Ça va se faire uniquement avec mon savoir de Quake 3. Donc on est mal barré. Donc on est mal barré, ouais. Non mais ça va, en plus normalement t'étais fort au FPS. Ah non, je suis bon au FPS hein, mais ça suffit pas là dans Hunt, clairement. Ça suffit de moins en moins d'ailleurs dans les jeux. Après on a un esprit de collaboration assez énorme. De coopération. Spider, pas collaboration, s'il te plaît. Bah c'est Spider si, c'est oui, de famille. Oui. Putain, être un collab au PD, c'est chaud. En plus, t'as pris la stance à la con. Bah ouais, mais je l'aime bien. Elle est plus précise. Mais oui, tu fais moins de bruit. Il paraît que c'est important. Non? Je sais pas. Non, on m'a dit. Tu en sais rien. Ce qu'ils disent les jeunes. Quoi. Ouais, voilà, ça. Après, il y a beaucoup qui ont joué à Hunt sur le chat, là, ou quoi? Ou il y a que Wapfal qui s'y connaît? Petite beauté. Ok. Comment on fait déjà? E? Ok. Bonjour. Waouh, t'es beau. Oh la vache, qu'est-ce qui t'arrive avec ta main? C'était éclaté, mec. Oh, c'était super. Ok. Alors, ouais, devant nous à gauche, il y a un truc. T'avais. Abruti, regarde-le, le chasseur. Ah, il est fort, le con. Ah oui, j'ai pris vraiment aucune arme. Ouais, j'ai une machette, quoi. Je la joue. On va appeler ça. Je la joue à la congolaise, en fait. Oh, il y a déjà des tirs. Ça commence déjà? Attends, Momo? Bah, attends, je suis là. Ok. Donc, ouais, clic droit, ça fait ça. Et majuscule, ça fait ça. Donc, mais tu t'y habitues vite, hein, en vrai. C'est comment déjà ça? Ah, oui. Vous posez trop de marqueurs. Le serveur, il est en train de se dire. Oh la vache. Ok. Ouais, c'est une ouais, relou. Oh là 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 là. Donc ouais. Ça devrait pas trop poser de problème normalement, ça devrait tourner assez fluidité. Il y a un feu là-bas. Un feu. Ok, le feu. Et la clou est juste derrière. Le feu. Ok. Ah oui, par contre oui, eux faut pas leur tirer dessus, faut juste les... Oh les gars, regarde ce que j'ai trouvé. Regarde-le lui. Bah écoute, il va lui éclater la gueule, hein, tout au long de la... Ouais, non. Eh, connasse. J'avais testé le jeu au moment de sa bêta, c'était bien optimisé avec le cul, ça a évolué ou pas? Bah, ouais, j'ai l'impression, parce que moi aussi, je galérais au début. Et finalement, là, bah, y a pas de problème. C'est quoi? Y a un fat boy à droite, faites gaffe. On l'entend faire des glouglouilles. Oh, fat boy, right here, right now. J'aime bien Fight Boy Slim.
Ok. Il y a des connards là-bas que je vais m'empresser d'exorciser à gros coups de machette. Attention mon gars, schlack. Il y a des bons impacts quand même. Vous me direz au niveau du son et au niveau de tout ce bordel si ça passe. Tiens. Pourquoi mais le jeu il me fait même pas. Je sais pas si c'est le FOV mais. Alors déjà il y a ta voix qui est en train de péter un plomb. Pour toi aussi Momo est pété un plomb sa voix ou quoi? Non. Ah bon bah c'est que moi alors. Ok. Donc on a un indice, on a un indice pour le boucher, c'est déjà ça. Ouais, ça te fait vraiment mal à la gueule. Ouais, ça me fout mal au crâne. Ouais. Mais pourquoi? Enfin. Rien, comment ça, pourquoi? Bah, t'as rarement mal au crâne pour rien. Oui, merci. Alors attends, il faut qu'on trouve un autre indice. D'où la question, pourquoi ça te fait mal au crâne? Si c'est. Je sais pas. Oh la vache, j'ai mon Discord qui merde, moi. Je sais pas. Elle battait tout seul. Ouais, mais je pense que ça. Ta gueule, le cheval. Je pense que ça vient du. Attends, je vais aller faire fermer sa gueule. Eh, dis donc, j'ai déjà vu une mort de cheval au stream d'avant. Tu fermes ta gueule, voilà. C'est. Bah, ta gueule, ok. Il y a une clou là-bas, là. J'espère que ça va pas trop niquer. Y a... Où ça? Là-bas. Elle est plus proche? Bon, on verra bien, bah, on verra. C'est la seule qui. Ah, quoi que, ouais, y en a une à gauche, là, mais. Bah écoute, on s'en fout au pire, hein, tu sais, on est en. Ouais. Ouais, à gauche, elle a l'air plus proche quand même, j'ai pas envie qu'on. Ouais. On est très resserrés les uns les autres. Si jamais y'a un mec qui décide de s'amuser, on est vraiment dans la merde. Ah! J'ai entendu. S'amuser! Oh non! Ah, des chiens! Oh non, mais les chiens, c'est horrible. On a une bonne histoire avec les chiens. Y'a des parties où on s'est vraiment juste fait buter par des chiens, c'était cool. Ouais. J'avais pas vu le titre du stream. Et ouais, que veux-tu, je suis créatif. Bon, normalement, le Discord, ça va un peu mieux, j'ai l'impression. J'espère que ça va vraiment rester comme ça, parce que... Pourquoi il y a un zombie devant une peinture? Ça, apparemment, c'est un easter egg, mais personne n'arrive à trouver de quoi, en fait. Attends, est-ce que je peux pas baisser un truc dans les options qui permettrait... Ouais, je suis en élevé partout. Tu sais quoi, je me fous en moyen sur quelques trucs. Voilà, qualité des particules, moyen. Je pense que ça va faire moins de load... Sur mon GPU, sur mon CPU, et on va pouvoir, ça va moins faire merder Discord. Ok. Blanc Brinery. Oh. C'est du vin blond. Ok. La clou est juste là. Elle a été prise ou pas, la clou? Comment on voit déjà? Ah, mais non, mais c'est le boss, en fait. Ah, d'accord. Ok, bah écoute, c'est, ça répond aux questions. En tout cas, c'est propre sur le stream. Ah oui, mais c'est juste en fait au niveau de Discord. Le jeu est plutôt fluide chez moi aussi, hein, je suis en 60 constant. Mais c'est au niveau Discord en fait que c'est relou. Je sais plus, je crois que le boucher à coup de hache ça marche bien, non? C'est pas ça son truc? Ou c'est le feu? Non, le feu c'est pas. C'est pas ça? Je me souviens non, plus. C'est la hache? Hein. C'est la hache ouais, viens voir. Boucher. Tac! Il a trop pris cher! Viens voir. J'en ai un autre comme ça, j'en ai un autre. C'est chaud ça, Mia. Je suis en train de me faire brûler. Ça brûle. Pourquoi il y a SEP sur les ambulances? Parce que ça brûle. Ok. Le feu c'est pour l'araignée. Je crois que c'est aussi pour le chasseur là, l'assassin à moitié là. Enculé. Ouais. Ah putain, mais c'est un pont qui a une seule balle, c'est relou ça. Je suis désolé au niveau du son, c'est peut-être un petit peu fort, je baisserai après. Il tue là, mais. Non. Jure. Il est où ce con? Je suis avec ma hache, j'ai un con, casse-toi. Bah, Il arrive. Il est où? Oh sa mère. Ouais, je ouais. Brûle. Il y a du fire fry. Bon, attends. Parce que là, je suis en tèche de stamina. Reprends ta stamina. Si tu. Faut arrêter de me cramer par contre, boucher de merde. Ouais, ça va le son en vrai. Après, c'est juste quand il y a le boucher, hein, ça va pas être comme ça tout le temps donc. Mais non, mais. Ah, putain. Tiens, ta mère la pute. Je t'en mets une. Ah la vache. Ça me pique. Il va me buter. Aïe. J'ai pas de. Bah non, j'ai pas de soin en plus. Parce que... On se fait tirer dessus. Ouais, y'a des mecs qui sont venus en fait, je vous ai pas dit. Non, t'as pas dit. Non, t'as pas dit du tout, non.
Ouais, j'ai entendu du bruit au loin. Est-ce qu'il y aurait pas un petit truc de soin dans le... Aouh ! J'en ai pris une. Sur le toit. Il y avait un connard sur le toit là. J'ai foutu un point. Ah, oh, putain, il m'a dynamité la gueule. Loupé, nique ta mère. Ouais, mais là, ça va être chaud du coup. Ouais. Il est descendu. Ouais, ça tire. Putain, c'est chaud, ça, merde. Il y a des coups de feu. Oh, le con, ouais, mais c'est vraiment un flingue de merde. Loupé, t'es vraiment une merde. Oui, il était un peu con aussi. Je pense que c'était la galère pour tout le... Ah mais non. Ah mais c'est moins marrant là. Je suis poursuivi. C'est bon. C'est pas bon. Tu l'as eu? Ouais. Voilà, un peu. Ok, bon. Je veux aussi un Mosin Nagan plutôt que ça. Voilà. Master Shooter. En fait, c'est vraiment la galère pour tout le monde. Lui aussi, il m'a niqué avec un tir 1. Et du coup, il avait aucune arme ni rien. Le pauvre. Y a pas du soin encore parce que là, c'est chou. Et ouais, du coup, il est mort instant. Donc, il était tout seul. Oh. C'est sûr. Au bout de la maison là-bas. Il m'en a mis une. Faites gaffe. Il s'est barré. Il va revenir de l'autre côté. C'est malin comme un singe. Bah c'est pas au vieux singe qu'on apprend à manger la banane. Bah oui. Oh c'est bon ça. Ah, j'aime bien ça. Donne-moi ça. Je l'ai clippé le duel au cas où. Ah ouais, hésitez pas hein, parce que là. Ah, je t'encule ta race, viens voir. Il va muter. Ah c'est de la merde, le Mosin Nagan, fais chier, je pensais qu'il y avait plus d'écalance de tir, c'est ma faute. Il est juste devant moi. Ouais, il m'en a mis une dans la fesse. Dans la fesse en plus? Oui. Oh, sa mère la pute. Eh bah dis donc. On s'est fait enculer. Il m'a mis un headshot. Pas très bon. Il est tout sport là ou... Ah, il est bien tangueux. Il est là, tu vois devant, tu l'as vu devant. Ah bah ouais. Là il était plus bon que nous, pour le coup. T'as une grosse lentille. Si c'était un pistolet Mosin Nagan, hein. C'était bien un pistolet Mosin Nagan. Bon, et ben on a pris plein de cul, quelque part. Bah oui. Et bah c'était bien, bonne soirée. Oui, enfin c'est un Nagan quoi, mais c'est un Mosin, c'est tout. Bon, et bah écoute, ça s'est bien passé. Un retour à la fraîche. Ouais, un retour à la fraîche. Je suis tout tremblant à cause de comment... De l'autre là, la première rencontre. Non, comment on appelle ça L'adrénaline, et ça m'arrive souvent. Ça m'arrive souvent quand je joue à un jeu en PVP. Quand je suis en baston, je me mets à trembler comme un malade. Et c'est depuis tout petit quoi. Même quand j'ai commencé les premiers matchs sur 1.6 et sur condition 0, pareil. T'as peur de l'adversité. L'adversité te fait frémir. Alors que IRL, genre au judo ou un truc comme ça, ça m'a jamais posé de problème, tu vois. Bon, on a au moins banni le gros cul. Ouais. Bon, je vais reprendre un gratos. Je trouve que ça passe plutôt bien. Regarde, il a des bons gueules, lui. Ah non, il est pas gratos. Actualisation gratuite. Voilà. Hop, je prends elle. Une vieille mamie. Il y a le magasin, mais on verra ça plus tard. Ça m'intéresse pas pour l'instant. Si, je crois qu'il y a des... Il y a les armes qui sont cool, non? Dans Légendaire. Ouais, c'est ça. Il y a des armes qui ont vraiment de la gueule. Et je crois que je l'avais déjà montré en plus ça... Pendant le premier stream, on avait déjà fait un stream de Hunt. Ouais, plusieurs. Ouais, ok. Disparar Arma. Putain, mais les gars, ils sont tellement racistes qu'ils pensaient que espagnol, c'était français. Tu sais, ça, c'est un problème, c'est quand les mecs, ils entendent du français, ils pensent que c'est de l'espagnol, les américains. Et là, du coup, ça, c'est un problème de localisation. Parce que, attends, je vais refoutre mon... Parce que là, vous voyez pas. Regarde, sur le stream, quand tu regardes un jeu, un gun en 3D... En bas, au lieu de, annuler ou enlever l'arme... Non, disparar, c'est quoi? Tester, peut-être? Je crois que c'est tester. C'est marqué disparar arma. Et ça, c'est en espagnol, ça veut dire... Ah non, c'est pour décharger l'arme, d'accord. Et en gros, ils sont gourés à la localisation parce qu'ils connaissent pas la différence entre l'espagnol et le français. C'est complètement éclaté, quoi. Allez, c'est type, je joue mamie, moi. Ouais, attends, besoin. Je suis brûlant, quoi. C'est pour ça qu'il joue pas en PVP. Mais j'aime pas beaucoup en fait le PVP. Enfin, ça dépend vraiment des trucs. Dépend du jeu, ouais. Ouais.
Manque de respect nucléaire. Ouais, c'est juste qu'ils sont cons. C'est les devs de où d'ailleurs, eux? Bah, Crytek, donc c'est bon. Ouais. Putain, mais c'est des copains en plus, normalement, les Allemands. Enfin. Bah, ouais. Non, mais si, maintenant, si. C'est des bons clients. Merci, les KV93. Merci. Yeah. Oh, merci. Putain, j'adore cette chanson de ouf. Il y a Arcana qui a dit alors. C'est l'équivalent du actually. Actually. Tu vas finir ton cornichon. Ah oui, ça dépend de l'année, ouais. C'est, oui, l'amitié franco-allemande, ça dépend de l'année, ouais. Ça dépend de l'époque. Oui, oui, ça dépend de l'arc que tu choisis. Dispara l'arma del fuego per el edito piafé. Je sais pas ce que ça veut dire, mais ça a l'air super important. Il a fait une blague avec Edith Piaf qui est française en fait. Malocoxis. Malocoxis. Faites-moi confiance, je suis pas charagiste. Vous êtes pire. Ah, Error Cry Cloud. Ah bah tiens, moi aussi. Oh, c'est super. Mec. Alors attends, quand vous aviez essayé Apex, il y avait des problèmes de serveur et Spider a pas pu rejoindre. Ensuite, on allait sur The Division où les serveurs ont été down pendant 5 heures et on n'a pas pu y aller. Et maintenant sur Unshowdown, on vient d'arriver, donc ils sont en train de nous niquer les serveurs aussi. Je pense qu'on a un pouvoir de DDoS. Mec, c'est incroyable. Mais mec, c'est un truc de fou. Du coup, parce que je suis en chargement, on réessaye. Bah, apparemment, il y a les invitations en cours que je peux même pas annuler. Ouais. Putain, mais mec, c'est pas possible d'avoir la choumoune à ce niveau-là, quoi. Du coup, peut-être qu'on va pouvoir faire finalement l'autre truc. Ah putain, non, mais c'est con, parce qu'on aurait fait l'autre truc si on avait parlé et tout, mais on la garde pour plus tard, c'est pas grave. Et du coup, en fait... Ah bah, vous êtes là. Ouais. Bon bah, écoute, c'est parti, hein. Réessayons. La commune est tellement grande que ça ne supporte pas pour les serveurs. Tu crois que c'est ça? Ou c'est juste que les serveurs de Crytek sont vraiment de la merde? Deuxième, en file d'attente de matchmaking. T'as vu le temps de chargement en bas? Non, c'est pas un temps de chargement en fait. Des fois, ça, comment dire, t'arrives même pas au quart et ça se lance. D'accord. Et je sais pas, est-ce qu'il marche bien Unshowdown? Est-ce qu'il y a une bonne commu? Il y a combien de... Tu regardes, tu peux regarder ça tout de suite? À part, tu vois, en fait, à part Jack Frank, je connais pas grand monde qui joue. Non, mais je crois qu'il a sa petite commu tranquille, quoi. Oui, voilà. Regarde, Steam Stats, Unshowdown. Last 30 Days, 5700 quand même, donc on est autour des 5000, hein. Il a son public, quoi. Et par exemple, là, bah, il y a 8000 joueurs en même temps. Donc c'est quand même une sacrée commu, hein. C'est pas rien, hein. Après, c'est pas Rocket League. Ah, il est sur PS4? Oui, et Xbox aussi. Ah! Mais il n'y a pas de crossplay, hein, évidemment. Ouais, non, mais heureusement pour eux, parce que les pauvres... J'aurais rien aimé, moi. tu vois, pour une fois, j'aurais pu dire, ah putain, je suis bon. C'est comme quand je vois Jack Frags, les rares fois, tu vois, où il stream des trucs sur console. Les gens en face, c'est incroyable. Genre, ils tournent autour des gens, et ils ont pas assez de sensibilité dans la vue. Du coup, ils arrivent pas à le viser. C'est génial, mec. Alors j'avais vu que les top players de Hunt étaient... Oui, mais quand il dit une bonne commu, c'est pas au niveau du moral, hein. C'est pas une bonne commu éthique, hein. Je pense que ouais, il y a des gros connards dans Hunt Showdown. Ouais, il y en a partout. Ouais, il y en a partout après. Ok, allez, c'est parti. Ok, j'ai une arbalète. Arbalète. C'est pour chauffer ma souris. Tu t'échauffes ton poignet. Il est où, Momo? Je suis en chargement. D'accord. Made in USA 12 gauge choke. Bah, c'est bien. Born in USA. Et du coup, j'ai un agrand silencieux. Et du coup, j'ai l'impression que j'ai le... Oui, t'as le perc pour Fanning, ouais. Mais tu penses pas que t'as un problème de connexion, Momo, là? Qui va t'emmerder pour le chargement? Je sais pas. Il est moche ton perso, hein. Je veux pas parler parce que je pense que le mien, ouais, c'est pareil, hein, mais... Avec ton fusil tout claquos. T'as la vache, avec ton gun, il est tellement grand, mec, ça me fait peur. Quoi, mon fusil tout claquos, en plus, je fais ce que je peux, je t'emmerde. Il est tout petit. Petite clope. Par contre, tu te tapes un boulard. Tu vois. Bon, voir le boulard à toi, là. T'as un poncho, mais... Ouais, on voit rien. Tourne vite pour que je vois le boulard un peu. Momo a pas pop et ça commence la chasse, donc Bon bah je crois que je vais me faire enculer. Non mais on va retourner au menu principal. Bah c'est con si on joue qu'à deux, quoi. On va retourner au menu principal.
Ah, mais on va perdre nos persos gratuits. Merde. Oh, la tuile. C'est pas grave. Je crois que c'est le jeu qui a crash. Hein. Ah, je l'ai eu. Bref, on va quitter la mission. Et on va attendre que Momo... On va attendre que Momo recharge, c'est pas grave. Et on a le temps, on est là, tranquille. On a fait une partie en une demi-heure. Ça qui est bien avec un showdown, c'est qu'il faut un genre de sens de la patience inné, quoi. Inné. Ouais. Inné. Ça veut dire dans le nez. C'est ça. C'est exactement ce que ça veut dire. Le jeu à Tej Momo, bah ouais. Mais écoute, je crois qu'il pouvait pas encaisser, c'est tout, hein. Momo, il pouvait pas encaisser ou le jeu ? Non, le jeu pouvait pas encaisser. Vous êtes morte, non. C'est pas pareil. je suis allé, comment on dit, j'ai, comment elle a dit ? J'ai changé de camp pour aller pour rejoindre l'Union soviétique et elle a tiré des missiles d'Heavy Crockett. C'est ça qui s'est passé. Oh putain, j'ai des bons guns en plus avec Hillary McIntosh. Mec. C'était comment là eh, franchement, allez voir le profil Twitter de McAfee, mec. John McAfee, je crois qu'il s'appelle. Ouais. John McAfee. Et c'est donc le gars qui a inventé l'antivirus McAfee, enfin qui a donné son nom à l'antivirus McAfee. Je pense pas que ce soit un programmeur. Et si. Il est. Si ? Bah, je crois. Ah ouais ? Et il est complètement niqué de la tête, mec, je te promets. Et il s'est présenté, du coup, en tant que sénateur, je sais plus. Ou alors il est sénateur et il se propose au présidentiel, je sais plus. Mais il est complètement ouf, John McAfee. Et je crois que c'était marqué dans son dernier tweet. Ouais, je suis un pianiste émérite. Et je suis un pro du fistfucking. Il est fou, il est complètement malade. Ça va, on peut entendre le... Et du coup, par contre... Ah oui, faut que je charge. Ouais, je vous ai envoyé les invitations, hein. Ouais, ouais. Il s'est présenté en tant que sénateur, mais il a une affaire de meurtre sur le dos. Mec, ça m'étonne tellement pas. C'était évident, tu m'aurais dit qu'il avait pas d'affaire de meurtre, je t'aurais pas cru, en fait. Oh, mec. C'est devenu mon modèle, maintenant, ça y est, c'est devenu mon modèle. Voilà. Putain, mais y'a pas de perso avec des gros chomblards. Regarde dans les chasseurs, y'a pas de... dans le recrutement. Non, pas de chomblards, oui. Putain. Âme résiliente, c'est quoi? Je sais pas ce que ça veut dire. Et dans les chasseurs légendaires, y'a pas de chomblards non plus. Putain, lui, il est balèze, le marchand de mort, poteau. J'adore le style des chasseurs légendaires, je les trouve vraiment cool. Oh, Mountain Man! And me a simple... Putain, je peux l'acheter en plus. Mais du coup, si je les achète, ça marche comment déjà les chasseurs légendaires? S'ils crèvent, ça fait quoi? En fait, tu peux les récupérer, c'est juste un skin, quoi. C'est juste un skin, d'accord. Mec, mais attends, je le veux, lui. Je le prends ou pas, sur le chat, dites-moi. Et j'ai 1500 bons de sang, est-ce que je le prends? Bon de sang, bonsoir. C'est dans la dernière page, il s'appelle Mountain Man. Mountain Man, pardon. Et il a un gros ours sur la tête. Ah oui, ouais, Do it, oui, ouais. Bon, ouais, je suis obligé, quoi. Ah, il y a des Chinois, maintenant. Skipped. Je déconne, hein, il est recherché par le FBI et la CIA pour 2-3 trucs et ça le rend parano. Oh mec. Et du coup, engagé, ça demande des dollars de chasse. D'accord. Et il a pas de gun. D'accord. Très bien. Je vais pas prendre le référent plutôt. Trop tard. J'irais mieux plus. Trop tard. Voilà. Je vais prendre un Winfield un peu éclaté. Je vais prendre le référent. Ouais, vas-y, prends-le au pire. Comme ça, on. Attends, voilà. Faut qu'on en prenne chacun un là. Non, mais t'es pas obligé, mais c'est pour vous montrer un petit peu, tu vois. Il est où le référent? File-moi. Qu'est-ce que je peux faire? Un couteau, un couteau. Du coup, attends, Momo, il prend. C'est lequel le révérend? Je vois pas. Ok. D'ailleurs. Voilà, on va. Ah, du coup, faut... ouais, okay, il s'appelle juste le révérend, normalement. On va se mettre Yimb. C'est pas le rédempteur? Non, le révérend. Je vois pas le révérend. Comment? Comment on fait pour acheter des grenades incendiaires? C'est peut-être le rédempteur, je sais pas, je joue en anglais moi donc. Elles sont où les grenades incendiaires? Je sais plus. Pourquoi j'en ai pas? C'est dans quoi? Enfin, dans magasin? Bah non. Si, consommable. Ah oui, c'est là. Mais attends, ça se trouve en fait, je l'avais déjà. C'est juste qu'il fallait. Bah non, upgrade. Bah non, faut que j'en achète en fait. Consommable, grenade incendiaire. Allez, tu m'en achètes deux là, pourquoi pas. Voilà, et puis on va tenter un petit truc comme ça, hein. On va tenter avec des vrais chasseurs. Attends, par contre, comment ça, là? Parce que équipement... Bah non. Comment on fait pour... Ah non, putain, j'étais pas dans le bon truc. Putain, mais je suis vraiment con. Je clique dans outils. Ah bah, ils sont où? Mais en fait, j'en avais déjà plein. Ça... Et du coup, une petite seringue, voilà. On est bon. Salut, Daok Jojo. Ciao, ciao. Tout, 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 tout
Oh putain, mais qui s'ouvre. Ah oui, c'est lui le révérend, tu parlais de pour la croix à l'envers. Ah bah oui. Ouais, j'avoue que c'est un petit peu mon truc, la croix à l'envers. Putain, et franchement... Oh mec, mon ours. Bougez mon perso. Regardez la tête de l'ours. Attends. Oh putain, ça me bute. Vraiment, je suis pas difficile niveau humour, hein, je te promets. Hein. Oh, j'adore. Ok. Lui, ça va. Et Spider, il a rien qui bouge. Non, il a rien qui bouge, Spider. Il a no fun allowed. Mais ça te voit avec son perso que tu peux pas trop rigoler avec lui. Ouais. Je pense que lui, c'est pas le mec à rigoler de la blague des deux PD dans l'avion, quoi. It's a me, Jojo. C'est pas trop les références que j'avais d'Ao Jojo, mais... It's a me, Jojo. Jotaro. Jotaro. J'ai soif. J'ai pas bu depuis environ 3 heures. Par contre, franchement, il y en a un qui aurait eu des couilles, il aurait pris celui qui a la grosse cible au milieu du torse. Plus facile à buter que les autres. Ouais. Le perso Spider, il a l'air gay. Bah tiens. C'est marrant, ça. Un petit peu, quand même. Ça fait rien. Ah si, c'est rigolo. Il est beau, son perso. Lequel? On a que des beaux gosses, là. On a que des beaux gosses. Il y en a étrangement, je me demande comment ils n'ont pas plus de frères et sœurs tellement leur mère c'est des putes. Oh la vache. Ah ouais. Ah d'accord. On voit que tu l'as un petit peu... hein, il y a eu le percolateur hein, qui a bossé, mais je comprends. C'est rigolo, j'y paye pas. Oula, je vois l'horizon. Oula là... Le jeu, il est pas tout à fait d'équerre encore, hein. Ça marche pas tout à fait facilement. Je vois du noir, je suis aveugle, je crois. J'ai pris le seul personnage aveugle du jeu. Après, ça c'est un gameplay différent, quoi. C'est bon, c'est le méchant d'un film qu'on avait regardé l'autre fois et qui avait du viol, mais en fait c'était pas du viol, mais il était quand même la simulation artificielle et puis c'était chelou. C'était quoi déjà? Don't Breathe. Ouais, je crois que c'est ça le. Comment? Don't Breathe. Ah oui, avec l'insémination artificielle. Ouais, de ouf. Ça s'appelle genre Don't Breathe. Oh la vache, mec, t'as des tatouages bibliques sur la tête. Alors oui, que c'est interdit dans la Bible. Mais comment Don't Breathe en français, je crois. Je suis croyant, je suis pas. La maison des ténèbres. La maison des ténèbres. Don't Breathe, la maison des ténèbres. Depuis tout à l'heure, je me tâte à le prendre. Il vaut le coup. Bah, moi j'aime beaucoup. Après, je pense que ça dépend aussi du prix. Il est à combien là sur Steam en ce moment? Ouais, je pense qu'il est un peu cher. Parce que je pense que j'accepterais de foutre 15 balles dedans, tu vois, par exemple. Ouais. Mais au-delà, ça devient un peu vénère. On a pris tous des brom-brom grosses couilles. Ah bah, ils font bien. J'ai éclaté une gonzesse, c'était vraiment juste pour le plaisir. Sur Twitter, ça passe pas, ça. Non, mais c'est pas grave. Oh, y'a des coups de feu? Non. Et j'ai cru entendre des coups de feu venant du nord-ouest. Si, y'en a, mais ils sont très très loin. Ouais. Y'en a. Y'en a, je sais pas. 45 balles sur PS4, c'est... Non. Oh, mec, faut pas. Ah, merci, merci beaucoup. Athée. Merci beaucoup pour le host. Merci. C'est super sympa. Pareil, 40 sur Steam, non. 40 balles sur Steam. Eh, mec, attends, je préfère m'arracher les couilles. Non. Ouais, c'est à se mettre, sur... c'est à se râper les couilles avec du papier de verre, avec des orties dans la série. Tu l'as pris, ok, tu l'as c'est pris. Toi, l'ortie. Pardon? Hein? Tu vas répéter ça? Il y a Dijon, il y a pas Dijon. Ortie. Je suis une jolie ortie. C'est quand même le végétal le plus moche du monde après le chou-fleur quand même. Donc, ok. Elles sont où les trucs? Putain, je sais plus jouer à ce jeu à la con. On va à celui-là là-bas, là. Ouais. Ah, y'a les coups de feu, putain. Putain. En plus, on s'en rapproche, on va vers l'ouest. Putain, y'a un mec qui s'appelle Fils d'une jambiste. En garde. Fils d'une jambiste. Putain, moi aussi, j'adore Kaamelott. Bah ouais. Tu sais que le méta, c'est une grande famille. Moi, à l'intérieur, je suis un grand nounours. Je suis un grand nounours. Avec ce poste, il m'encule de rire à chaque fois, mec. Je suis un grand nounours, lol. Le métal, c'est une grande famille. Mets du Hellstorm, j'aime trop. Après, j'aime bien une de Hellstorm, j'avoue.
mais bon. Je crois que j'en aime bien deux, moi. C'est lesquels? Du coup, le... la reprise de... Hangover. Ouais, et... Shipwreck, franchement, j'aime bien. Shipwreck, elle est bien, ouais. Shipwreck, elle est sympa, ouais. C'est imitation dégueu, claquée de Bob Lennon. C'est pour ça que vous êtes là à m'écouter. Tire en face. Tire en face. Vers le bas. Dans, ouais. dans cet endroit-là. À peu okay. près 48. Bah, ils vont pour la clou aussi, quoi. Ça va chier. Juste en face, quoi. Ouais, parce que ça vient de l'ouest en fait. Ah, y'a la connasse en plus là. Tu sais, faut lui tirer dans le petit moignon qui lui sert de tête. De quoi? Ah oui! Oh putain, je les avais oubliés! Oh, elles font chier! Oh, ah, ok. Je croyais que t'avais vu un ennemi, je suis désolé, j'ai commencé à paniquer. Oh mec! Quelqu'un a un cœur en rab. Un quoi? Un cœur, parce que le mien est parti là. Pourquoi? Quand Spider il a. Ah oui, il a foutu le truc. C'est fini, il est parti. T'as fait un petit arrêt cardiaque. C'est rien. L'arrêt cardiaque, ça rentre dans un showdown. Reste tranquille. Mais comment je comprends pas, c'est que Momo il flippe de ça. Mais par contre, apparemment sur Tarkov, c'est ok quoi. Ouais, non, tranquille. Après, sur Tarkov, c'est juste des russes. Attends, je vais essayer d'éclater la connasse. Bouge pas. T'as pas un silence. J'ai loupé. Je l'ai pas loupé, c'est bon. J'ai une hémorragie, mais que j'ai marché dans tous les pièges du monde, je crois. En plus, il y a des faux canards. Hein. Comment on fait déjà pour arrêter une maladie? Est-ce que je peux me foutre un truc de vitalité ou pas? Non, j'ai mis un coup de poing. Comment on fait déjà pour se foutre une... Comment on fait? Pour se piquer comme... Ah, comme ça. Ok, ouais, j'ai. Quel plaisir, la co qui me fait péter le stream toutes les deux secondes. Oh, Hoffman... Du coup, on a pris la clou là. Oui, mais du coup, ouais, c'est bon. Et du coup, faut qu'on se dirige, vers le sud, sud-est. Sud-sud-est. Sud-ouest. 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 Ok. Donc de là où venaient les tirs, parfait. Voilà. Effectivement, c'est pas le bonheur. Chafou. Ah, c'est ça la traduction française littérale. Effectivement, ce n'est pas la joie. J'avoue, c'est pas le bonheur. ok, sud-ouest. Le petit Lu, salut, tu sais, le petit Lu que j'habite juste à côté du siège de des biscuits Lu. Tu t'en bats les couilles, moi aussi. Mais c'est comme ça qu'on fait les rencontres. Tu savais que BN, c'était une biscuiterie d'entreprise. Oui, bah moi oui, mais tu savais, toi? Bah t'es con. Non, mais pas toi, mais je toi sur le chat, pas toi. Je te laisse, passe un bon stream. Tu nous laisses. Tu parles à qui? Tu parles au copain que t'as amené? Non, mais elle parle. Il ou elle parle au copain qui l'a ramené ou. Bah. Tout le monde. Tout le monde? Ok, bah merci. Faut pas chier. Je suis désolé, j'essaie de donner un petit peu de précision. Ça mange pas de pain, littéralement. Oh putain, là-bas! Tu sais, mon cœur il est reparti. Non, je vais juste faire flipper. Ah, mais tu fais chier, mais moi j'étais chaud en plus là! Mais t'es un bâtard! On fait pas ça aux copains! Ah, rituel du boucher? Ouais, ah bah c'est pour ça que ça tirait en fait. Ouais, voilà, ouais. En plus, c'est clair, ouais. Tiens, nique ta grosse race. Je veux des biscuits maintenant. Bien, et vous, Hoffman? Oh, ils sont mignons en plus, ils vous voient! Ils sont adorables! Si vous voulez vous intégrer bien rapidement ici, traitez tout le monde d'enculé, hein, c'est la façon la plus rapide. Ouais. La politesse en général, en fait, c'est pris avec un petit peu de d'hostilité. Oui. Ok, c'est à la fonderie, faut qu'on trace parce que c'est loin quand même. C'est loin. T'as vu comment c'est loin? Demain c'est loin. Passez un bon stream tous. Oh, y'a encore une connasse. Eh, mais elles, franchement, elles sont insupportables. Eh, vas-y, c'est pas moi qui me l'a fait cette fois, hein. Vous vous démerdez. Ouais, bah voilà. Je crois que je suis en train de me faire poursuivre par des petites mouches, non? Non, c'est pas tout le monde. Je les entends. Ah putain, c'est le fort en plus. Je crois que c'est toujours derrière moi. Ils sont dans mon cul. Je les entends, les bébés. Ouais. C'est fini. C'est bon! Non, c'est un peu plus loin, c'est pas le fort. Ah, c'est encore après? Ouais, c'est encore après. Ah la pute, ok. C'est pas dans le fort Carmack. Docteur Carmack! Camargue. Tu sais que ça là, par terre, je vais vous montrer juste à vous le stream. Je pensais que c'était un facehugger. Et j'ai commencé à flipper. Ça, Momo là. J'ai cru que c'était un facehugger. Ok. C'est encore un peu en avant. Oh, ta gueule toi!
sa mère. Couché. Voilà. Tu vas en buter combien de fous? Je sais pas, je suis sur une... Oh putain, un deuxième, tiens. Non, j'adore bah, ça. Je vais l'abandonner, C'est-à-dire que, bon, c'est lui qui vient, en fait. Oh putain, y'a des yinches. Ouais, c'est des gros yinches, en plus. Ouais, bah si c'est pas grave, allez-y, les gars, franchement. Docteur Kramarg. Des yinches, tranquille. Kramarg. Pipoumsme. Oh, y'en a 4, quand même. Ouais, bah voilà. Et du coup, ils sont toujours au rituel, mais y'a pas de sortie qui est vraiment proche. Par contre, non mais par contre, faudrait peut-être un peu m'aider, par contre. Ouais, mais tu t'en sors bien, je trouve. Ça va, je suis là, oh là là, je chiale tout le temps, garçon. C'est vraiment une grossesse, vraiment. Oh, y'a des yinches. Attention, je dis ça, c'est vraiment avec un point de vue sexiste, parce que je respecte pas les femmes, attention. Hein. Donc, À tout le temps. Don't at me. Ok, donc c'est en face. Ok, on s'approche. 78%. Ouais. Ça va être en train de visiter en tous les coins. Ne restons pas trop collés par contre. Je suis pas sur la gauche là. Ouais, voilà, moi aussi. Comme ça. Ouais, moi aussi. J'aime bien, hein, mais dans un contexte de peste noire, moins. Peste noire. Ah, mais c'est au même coin qu'avant, que tout à l'heure, non? Non. Nine! Il y a encore un inferno, je suis. Ça tire là, ça tire! Putain, il y a des corbacks devant tire. Moi. Il tire! Je vais essayer de pas réveiller les corbacks. Ouais, déjà, il y a personne sur le toit, ça je peux le dire. Ça tire! Si, il y a un mec là! Touché! Bien joué, tu l'as down en plus, non? Non, il a couru. C'est un noir avec un t-shirt blanc. Ouais. PK, merci beaucoup, tu as bien fait de me prévenir. Parce que prévenir, c'est guérir. Exactement, et les antibiotiques? C'est prévenir. Exactement. Pas automatiquement. Ok. Je vais essayer de rentrer. Attention. C'est une grosse équipe, là. Touché. Oh, attends, je vais rentrer, bouge. Putain, c'est fermé, j'ai fait du bruit. Merde. Tu la tags? Ah, c'est ta bouche, je l'ai pas tag. Je me fais poursuivre par un fatboy. C'est pas grave, je vais monter. J'ignore le risque. Fais gaffe du monde, non, c'est pas chien. Ah bah oui, il est là. Bonjour, monsieur. Putain, bien, de... faut... Je cours. Y'a un mec en bas. Ah merde. J'ai down le mec qui était au-dessus. Et j'ai down le mec qui était juste là où après où je suis mort. Apparemment, je me suis fait tuer par Lemmy Kilmister aussi. Il était où en bas? Il était près du bâtiment en fait, devant toi. Il est là où est le gros en fait. Bah il est mort. Bah c'est ça en fait. Oh, sa mère la pute. J'en ai buté un. Il y en a un autre qui m'a mis à terre. Il y en a un autre près de l'entrée. T'es tout seul. Et ouais, va falloir le tabasser lui. Je crois que t'es en train de te faire tirer dessus par un connard en plus. Oui, il est à mon niveau en fait, il est là où je suis mort. Putain, mais il a crevé sa mère. T'as plus d'endurance, ouais. Ouh, sur toi, je crois, non. Je suis trop stressé. Je suis en train d'autismer. Je suis bloqué sur la frame où le mec qui habitait Russienne est en lévitation 0,5 secondes avant de toucher le sol. Ah, mais il cheatait, c'est pour ça. Attention. Oh, ça court. Chut. Ça arrive. T'as entendu? J'ai fait du bruit. Non. C'est lui qui a fait du bruit. Ah, c'est mais il y a plusieurs groupes! Oui. Y en a. Tu vois là où je suis mort, Momo, à droite là? Il y a un petit escalier qui mène en fait, ouais. Tu peux me raise ou pas? Juste là, sous tes pieds, voilà. Oh yes. Ok. Oh, bah merde, ça c'est franchement, c'est complètement ma faute. C'est complètement ma faute, mec. J'avoue. Là, d'accord. Là, c'est pas le bonheur. Putain, c'était un personnage. C'était un personnage cher en plus. Il est chaud, sa mère. Bon, écoute, il y a des jours avec, et nous, c'est principalement des jours sans, mais. Non, mais en plus, je suis dégoûté, le mec que j'ai niqué, je l'ai niqué à la machette, il était complètement con. T'en as buté un quand même? Bah ouais, mais un quoi. D'accord. Bah, c'est pas grave au pire. Enfin, j'ai juste down, en plus, je l'ai même pas. On se refera sur la prochaine, c'est juste qu'on est désorganisé, on panique. Et il y en a surtout qui disent à Momo de regarder quelque part alors que l'ennemi il est là. Donc déjà, va falloir qu'on règle ça. Et après, il y a des connards qui font hey, vas-y, tu me réduis vite. De quoi tu parles? Comment on fait déjà pour. Ah oui, faut que je re-recrute mon poteau, Mountain Man. Parce que je le reprends, moi, je suis en fou, hein. Pareil. Moi, franchement, mon m'arrête plus, hein. Je vais prendre le Sparks LLR, RRRR, silencieux en tout cas.
Et je vais prendre aussi un pistolet. Un pistolet Léon. Un pistolet rouge. Ouais, bon, on a quand même. J'ai buté un mec, t'as buté un mec et Spider a buté un mec. Bon. Théoriquement, s'ils étaient tout seuls, on aurait pu gagner. Ouais, voilà. Mais bon, écoute, des fois, le destin est une pute. Donc. Majoritairement, ouais. Principalement une pute, en fait, c'est ça le. Ça te délire. Il est super ton perso. Ah oui, d'accord, t'as pris lui, ok. Évidemment. Le mec qui a vraiment les grosses couilles brum brum, quoi. Cette musique, putain, oui, elle est fantastique. C'est vraiment une de mes musiques de menu principal préférées, je pense. Je pense que c'est facile aussi parce que moi j'ai deux têtes. Je suis sûr que s'ils tirent dans la tête de l'ours que j'ai au-dessus de moi, ils me font un headshot aussi. C'est facile, hein. S'ils avaient pas de flingue, on aurait l'avantage. Mais c'est ça le problème, c'est quand tu armes toute la population, et bah voilà, ça cause des problèmes comme ça. Je pense, si on gagne, si on réussit à tuer des gens avec ce que j'ai là, facile. Pourquoi? Ah, à cause de ton skin ou parce que t'as des armes de merde? Le skin. Reprêt, tout le monde, reprêt. Après, le skin, bon, t'as pas vraiment besoin d'une cible pour savoir qu'il faut tirer dans le torse d'un mec, hein. Donc je sais pas si ça va vraiment changer quoi que ce soit. Ah mais j'ai le chapeau de One Piece. Le chapeau de One Piece. Qu'est-ce que j'aime pas One Piece. Alors les jeunes, ça vous parle? Salut, non, tirer dans la tête de l'ours ne te fait pas de headshot. Ils ont pensé à ce problème de hitbox pour pas que le skin soit pénalisé. Ah, ça c'est fort sympathique, merci Ryugan. Ryugan. Du coup, s'il tire en ma cible, c'est pas contre les bisous non plus. Non, il gagne 100 points, je crois. Ça leur fait un bonus XP. Tu te souviens dans tous les films Robin des Bois où quand un mec il fout une flèche au centre de la cible, Robin des Bois il tire une flèche dans la flèche au centre de la cible. Oui, ça me fait toujours extrêmement kiffer. Et tu te souviens dans DMC quand il tire dans les balles des autres? Ça c'est génial. Ça c'est cool. Non. Il balance le katana dans un truc. Ah oui. Et ensuite il tire sur le manche du katana et toutes les balles s'alignent. Oh putain. Non, moi je me rappelais surtout, c'est au début de DMC 4. Il y en a eu un 4, oui. Au début de DMC4, je crois, où tu te bats du coup contre Dante dans une église en tant que Nero. Mm-hmm. Et que quand tu lui tires dessus, il tire aussi pour déflecter tes balles en fait. Oui, bah évidemment. Et ça, c'est tellement le coup le plus animé du monde. Et c'est beaucoup trop stylé, quoi. Et je me souviens aussi des films de baston, je crois. C'est pas chinois? Asie du Sud-Est, où le mec il tient un katana devant lui, il tire dans le katana, ça sépare la balle en deux et ça tue deux mecs de chaque côté. Mais ça c'est pas dans un film asiatique, hein. C'est dans un film qu'on appelle Deadpool, X-Men Origins Wolverine. Ah oui, ah putain, oui. Non, là c'est pas pareil, là il se fait tirer dessus. Non, dans celui-là il se fait tirer dessus et il fend la balle en deux et ça tue deux mecs derrière, d'accord. Mais non, moi je te parle vraiment du mec qui tient le katana devant lui, il tire une balle dans le katana et il y a deux moitiés de balle. C'est un film indien ça. Ah, c'est peut-être un film indien. Bah, c'est l'Asie du Sud-Est, en fait, quelque part. Ça sonne comme un film indien. Ouais. Comme Singham ou un truc comme ça. Ouais. C'est lequel qu'on matait? Baobali, mec. Baobali. Celui-là. Ils ont pas annoncé de suite, d'ailleurs. Mais il y en a déjà 4 des Baobali, mec, hein. Je crois qu'ils ont annoncé une suite, hein. Encore, putain. Mais tu sais que. Franchement, il faudrait que j'essaie de le remater, tu vois. Le problème, c'est que c'est très long, un Baobali. Bah ouais, il faut aimer rester 3 heures devant des espèces d'intrigues politico d'ancières. Ouais. Le truc dont il parle dans Deadpool, c'est repris d'un film plus vieux. Ouais, c'est bien ça. Hein. Il y a bien. Mais en plus, c'est une espèce de navet. Je sais même plus si c'est Asie du Sud-Est. Je sais pas si c'est pas un genre de film parodique à la con. Là. Oh. Putain, je me souviens même plus. C'est plutôt un couteau qui met devant son revolver. Excuse-moi, Noiron. Je voulais pas vexer ton âme de Bushido. C'est une shinobi. Mais oui, je sais plus si c'est couteau ou katana, mais ouais, il y a un truc comme ça. Je crois que c'est dans un navet plus que dans un film d'Asie du Sud-Est. Parce que les Asiatiques du Sud-Est ne font pas de navets. Ils font principalement du riz. Ils mangent des chauves-souris. Ça rime. Mais quoi, dit-il avec sa grosse cible, t'as vraiment l'air d'un gogo. Putain. Ouais, mais je suis pas pédophile.
sais que si tu dis ça à quelqu'un, il va penser que t'es pédophile, hein. J'espère que t'es au courant, quand même. Je suis pas pédophile, zoophile, donc ça va, ils ok. Vous savez que lorsque les héros indiens arrivent dans les films, ils sont obligés de foutre des musiques de mort, parce qu'ils savent que si jamais ils font une intrigue à son apparition, les indiens ne feront que crier et n'écouteront rien. Ah, oui, j'ai entendu ça, ouais. Qu'en gros, quand un personnage dans un film indien arrive à l'écran, dans la salle, tout le monde est extatique et ça hurle. Et le problème, c'est que si tu fais une grosse reveal avec la présentation d'un personnage, les gens écouteront rien parce qu'ils seront tous complètement éclatés et ils seront tous en train de gueuler. Donc ils sont obligés. Quoi ? Ils sont obligés, mais parce que c'est des indiens et voilà. Ils se jettent du caca de vache. Oui, voilà. Ils jettent du caca de vache, hein. Oui. Donc c'est principalement leur premier objet d'export d'ailleurs, hein, le caca de vache. Je mets le gif dans quel salon sur le Discord ? Fou dans le ciné ? Ouais, fou dans le ciné. Ouais. Il y a des tirs en face. Je les attends. Là. On va se faire buter. Venez vous battre ! On va se faire buter, on va se faire buter. C'était quoi le chat vocal ? C ? V ? W ? Non, je sais plus. Je sais pas. Ça se passe là-dedans, là ? Je savais plutôt l'air de venir d'un extérieur, mais... Ah putain, mais le blé, faut le cueillir maintenant, c'est bon, là, hein ? Bah attends, il va pourrir si on le laisse comme ça. Momo, va chauffer la charrue. Du blé, ça pourrit pas, mais tranquille. T'es sûr? On peut se pencher dans le jeu? Non, on peut pas. Oh non, il y a le connard avec les larves, là. Bah c'est pas grave, de toute façon, on va pas le voir. Il est où, le... Là-bas, ok. Je vais démonter le coup, là. Chut. Bon bah là, les chiens, ils nous ont niqué, mais... C'est vous qui donnez des coups d'épée dans les trucs, là? Ouais. Ok. Spider. Ouh, merci Madati. Oh, oh putain, la vague de 5 subs, mon gars. Bizarrement, ça a fait laguer mon PC. Ça arrive, hein. Merci beaucoup, Madati. Merci, oh, mec. Merci, mec. Merci de tout notre cœur. Chut. Ouais, la chute. Il y a une connasse. Ah non, c'est Momo qui court sur son truc, là. Il y a une clou là-bas, mais il y a un fat boy et j'ai peur de me battre contre lui tout seul. Il est où ? Là. Oh non, mais c'est chiant. Oh merde. Ah. D'accord. Quel fat boy là ? Là-bas. J'ai été obligé de tirer. Ouais, attends, déjà j'aimerais bien m'occuper de la connasse là. Right here. Right now. Okay. Et après, je peux me le taper, hein, c'est pas ce problème. Ouais. 1, 2, 3. Chope la cloute. La cloute. Et on c'est pour l'araignée, en plus. Suite là-bas. On va aller dans ce sens-là, on va aller sud-ouest. Oui, un charnier de porc. Ah, j'ai vu un webm comme ça. Yes. En gros, c'est des Chinois. Bon, déjà, ça étonne personne. Qui foutent plein de porcs dans un fossé. Un gros fusée, il renverse genre. C'était pas justement pour une grippe, une surprise comme ça ? Ouais, bah écoute, c'est les Chinois donc je te dis. Il y a un rituel d'araignée. Ouais, à la saumerie, il faut qu'on y aille, c'est nord-ouest. Merci beaucoup, Manati, c'est vraiment très très gentil. Merci. Et oui, ils foutent le feu du coup au fossé après avoir renversé 50 litres d'essence et les porcs ils meurent. Mais ce que je trouve vraiment étrange, c'est qu'ils prennent même pas la peine de les égorger ou je sais pas, de leur foutre un coup de merlin, une connerie, tu vois. Non, ils les laissent cramer quoi. Alors, bon, après, j'aime les animaux comme le prochain. Mais ouais. C'était avec des êtres humains, donc. Oui, bon, écoute. C'est les Chinois aussi ou pas ? Non. Ah non, t'as dit des êtres humains ? Non, pardon, C'est méchant, c'est chaud un peu ça. Ah, mais attends, avec un Africain qui brûle, c'est ça ? Une espèce d'exécution, ouais. Plusieurs, en fait. Et j'ai entendu dans un fossé, en fait. J'ai entendu qu'en gros... Ah non, bah c'est pas le même, alors. Parce que j'avais vu un truc comme ça, aussi. Vous inquiétez pas, on va pas parler de gros trucs horribles comme ça toute la soirée, hein. Mais j'avais vu un truc comme ça, non. Et en fait, le gars, il se faisait cramer. Mais c'était un violeur, en fait. Et il avait... Là, c'était pour de la religion. Ah, donc, ouais. Il y avait pas la même religion. T'inquiète, j'ai juste mis un marqueur. Qui a cramé l'autre. Ils ont mis les gens dans un fossé. Et... Oui. Ils étaient en train de cramer, en train de gueuler, et il leur mettait des coups de bâton. Comme on dit, mais putain, la charrie avant le rebeu. Hein. Mais c'est quoi les coups de bâton ? Ça sert à quoi de leur mettre des coups de bâton en plus ? Je brûle ! Ah, je... Aïe ! Bon, mais oh ! Ah. Ça nique. Ça tire. Bah, en fait, on est juste en face du truc, là. Donc... Et là, la saumurerie, ouais. Et ils font des saumures.
Ouais. C'est pas un truc par rapport au saumon, ça? Non. Bien tenté, mais non. Y'a personne là dedans? Non, ah, c'est là où il y a la DeLorean. Ah, oui, exact. Ah, donc c'est un peu plus loin. Ouais. C'est un peu further. Ok. C'est un peu further. Et qu'est-ce qu'il s'en fout, le mec qui est en train de cramer, de prendre des coups de bâton, par contre? J'ai vraiment envie d'y revenir. Je sais pas. Est-ce que c'est un côté culturel? Est-ce que c'est pour impressionner? Est-ce que c'est pour faire passer un message? Genre, on a les plus beaux bâtons de la région? Non, je pense que c'était juste un gros con. Ouais, bah déjà, partir du principe qu'il faut cramer des gens parce qu'on n'est pas de la même religion, j'admets. Oh. Là-bas. Sur le toit, ici. Là-bas. Ça, c'est un zombie. Il est toujours sur le toit? Je t'avoue que je l'ai vu passer qu'une seule fois. Mec, y'a des bruits dans tous les sens dans ce jeu à la con, ça commence à me saouler. Ils sont en 88, donc ils vont pas dormir. Oh, le zombie fait le tour là. Oh ta gueule! Non, sur le toit y'a plus grand monde. J'ai essayé de rentrer, je rentre par derrière. Oh, c'est bon. Oh le. La creeper. Oh, je l'ai loupé, c'est l'enculé. Il a failli me tirer dessus, le bâtiment. Ah, il est toujours là-haut. Recharge, hein. Il y avait un mec, mais j'ai loupé. Il y en a un qui est toujours sur le toit. Moi, je suis ouais. J'entends au-dessus de moi, en fait. Derrière moi. Oh la vache, il m'a enculé. Oh ouais, la vache. J'ai entendu ça, ouais. On est beaucoup trop derrière. J'ai rien pu foutre. Putain, comment il a tiré aussi vite? Ah, il est en train de me cramer. Ouais. Je l'ai touché. Alors là, mon gars, même avec toute la bonté du monde, je vois pas vraiment ce que j'aurais pu faire. Oh, ils font chier en plus, ces trucs-là. Ah, mais mec. Bon, tu l'as eu, c'est bon, tu l'as eu. Ouais, il y a deux groupes, ouais. J'en ai touché un. Oh, sa mère l'enculé, mec. Le truc bâtard d'un Staburn. Mais non, mais il a raison, hein. Franchement, je lui en veux pas, parce que... Alors oui, il paraît qu'il y a des trucs qui se font, il y a des trucs qui se font pas, etc, mais... Oh, là, tu l'as down. J'ai entendu... Je l'ai touché, en tout cas, mais... C'était sur le toit que tu l'as tiré? Oui. Ah, il remonte pas, je pense que tu l'as eu, hein. J'espère. Quoi, ça se fait pas d'un Staburn un cadavre? Non. Y'a toujours le mec derrière, en tout cas, qui m'a buté moi, et je crois qu'il est vénère. Ouais, c'est ça, y'a un code du bon jeu, mais vraiment, hein, et bah, je sais pas, après, moi, honnêtement, y'a un mec par terre, je fais au maximum pour qu'il m'emmerde pas, quoi, mais bon. Y'a un mec qui a balancé une molotov, là. Votre corps brûle, ça brûle. Oh, tu vas récupérer la bounty? Ah, c'est le même. Ah, y'a encore un mec qui est mort. Oh, mec! Ah, voilà. Oh, il a sauté pour la récupérer! Comment c'était cinématographique de ouf! Il y en a un à l'intérieur. J'en ai vu un qui s'est barré par là-bas. And inside. T'es sûr qu'il était à l'intérieur? Ouais, Momo, j'ai l'impression qu'il était loin quand même, non? Ah, oui, putain, un peu loin. Ah, vous êtes mort. Bon, bah, je suis claqué. Ouais, bah, c'est pas grave. Je suis pas en avance, mais bonsoir. Ah bah ouais. Côté, salut, Popo. T'es pas en avance. Ça va ou quoi? Attends, je vais regarder Spider. Est-ce qu'il y a un mec qui est vers là? Et je sais pas pourquoi il s'est barré. Cherche pas d'aller à mon cadavre. Oh, il est là. Derrière la maison. Popo, Momo derrière la maison. Je l'ai dégrand. Voilà. Il est bien derrière la maison. Fais voir, est-ce que je peux te voir? Ouais, plus vers la gauche. Ah! C'est ça que j'appelle la gauche. J'ai failli te faire buter une deuxième fois, je sais pas si t'as vu. Spider, il va falloir pousser pendant que Momo il est dessus, hein. Ouais, attends, je recharge. Il est où? Il est toujours derrière? Par là. Il a dû se barrer, je pense qu'il a dû se barrer, mec, non? Ouais, je pense. Tu sais quoi, je vais rien dire parce que si jamais je donne un conseil et que tu te fais encore buter, je vais m'en vouloir. Ouais, puis je vais venir chez toi, je vais te cramer la gueule. Ouais, mais fais gaffe, je suis fort quand même.
Ouais, ouais. Alors tu peux essayer de me cramer moi, mais essayer de pas cramer ce que je possède, c'est tout ce que j'ai dans ma vie. Ah bah... Juste moi, d'accord, ok. Je possède, je vais garder. Ah d'accord, ok, donc c'est carrément... Mais avec... quitte à être cramé, si tu veux. Avec intention de vol... Non, mais je pensais que tu allais me cramer, me laisser en vie quand même. Bon, je le vois toujours pas, le mec. Non, mais je pense qu'il s'est barré, hein. Je pense qu'il s'est dit, c'est bon, j'ai aucune... Non, 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 il est toujours là-bas, il est toujours là-bas, il est au nord-est. Toujours par là-bas. Mais il est bien loin, par contre, hein. On peut rien récupérer sur toi. Spider va choper la deuxième prime. Mais elle est où? Sur mais en haut. Ouais, mais comment je fais pour monter sur... Ah, ok, petite échelle. Au secours. Petite échelle. Il est juste là, putain. Ça m'a la pute. Enculé. Si il essaie de monter l'échelle, je vais le surprendre. Tu la tag. T'es touché. Derrière, ouais, ouais, ouais. T'es sur toi en plus, Spider, profite-en. Oh, sa mère la pute. Il est à droite. S'il prend par la droite, je le vois. Fais gaffe à gauche, surtout, du coup, Momo. Du coup, vu qu'il y a Popo qui est venu sur le chat, ça y est, je suis tout, je tourne au chamboulou. Attends, je vais regarder un petit peu Spider. Oh vu. Vu. Tag le Spider. Tag le Spider. Oh ah. Non, mais non. Mais putain. Another one bite, c'est tast. Il est juste là. Je l'ai tag, fais gaffe, fais gaffe. Il t'entend, il est derrière toi, ouais. Champion. Si, si. Je suis en haut. Faut prendre les chiens. Ah putain, où ça? Juste là. Là. Putain. Mec, tu lui as mis un no-scope en plus, il a même pas visé. Ouais, pas le temps. Vas-y, reste le fil, hein. No-scope, quick-scope. Bah du coup, s'il est no-scope, est-ce qu'il a vraiment quick-scope quelque part? Récupère la prime, okay. Spider. Yes. Ouais, je t'ai vu partir comme un gogol, je me suis dit, ouais. Allez, cassez-vous maintenant. Attends, je le pille, attends, je suis pas mal. Attends, faut que je recharge, c'est la meilleure. À l'aise de garnisonnement. C'est où? Ouais, ça va. Oh, donc, à l'ouest. Soit on fait demi-tour, soit on va à l'ouest. On va aller à l'ouest, voilà. Non? On sait qu'il y a personne, au moins. On va à l'ouest, hein. Momo qui carry. Ouais, t'avais dit, Momo, que t'allais carry, hein. Et j'avais dit que j'allais servir à rien. Non, j'ai dit que si tu carryais pas, je carryais pas, mais du coup, j'ai menti. Y'a personne aux alentours. Ouais, j'ai plus de vision du turf. La vision d'aigle, ouais. La vision, pardon, la vision. Ça, c'est des jeux pour Momo. Ce serait quoi, Momo, des jeux pour Momo? Wolfenstein. Oui, non mais oui, bien sûr, non mais oui, non, mais je sais pas pourquoi je demande. Il est bien aimé, ou... Oui, j'ai bien aimé. Ok, on s'approche. Petit coup de vision par-delà la vision, toujours personne. Non mais y'a plus personne là, je pense, non? On prend pas de risque. Oh, attends, y'a la connasse là-bas. Y'en a deux, non? Et en plus, t'as pas tiré dans la tête, t'as tiré dans le... C'est bon, je t'ai raté mes lignes d'autres, hein. Pourquoi j'entends tout comme si j'étais sous l'eau par contre? C'est moi, non. Non, c'est pas moi. Non, c'est dans le jeu. Non, j'ai peur que je commence à faire un AVC en fait. Le flingue, il a un son pas ouf. Non, c'est là vraiment, j'ai l'impression que tout est... C'est parce que je suis décédé, ouais. Ok, c'est juste là. Peut-être que c'est pour éviter que les potes décédés puissent aider les gens en spec. Mais bon, même si c'est en spec dessus, tu vois. Oui, c'est un peu con. C'est un petit peu con, ouais. Je sais pas vraiment en plus c'est quoi c'est trop. Oui, c'est moi. L'intérêt, putain. Tu vois. Oula, les screen space reflections qui sont un peu éclatés, hein. Ouais, mais ça c'était déjà le cas avant, hein, tu sais. Oui, ouais. Quand est-ce qu'on part en fait? Bah, faut qu'on aille dedans. Y'a Itichian. Itichian. Eh non, ça me ferait chier de mourir maintenant par contre. Momo. Je peux observer Spider? Non mais vous allez pas vous faire niquer maintenant. Je suis en train d'arrêter l'hémorragie, c'est chaud. Cours, j'ai plus de balles. Cours. Oh mec, cours en rond. Cours en rond. Aïe. Cours en rond, c'est bon. Oh mec. Oh la vache. Elle serait été ghetto. Oh la vraie loose. Ouais, ça aurait été plus que ghetto là, mon gars. Allez, retour au menu. Bon, je suis encore mort.
Je pense que je vais faire une seule game gagnante du bout au bout, moi, ce soir. Et on a gagné ensemble. Oui, par contre, oui. Avec Momo. C'est nous qu'on a gagné. On va passer une bonne soirée. En fait, il me faudrait une Thompson. Là, je serais bien. Vu que vous streamez du Hunt... Ouais. Ouais, écoute. Quelqu'un peut le dire, du coup. Streamer du Tarkov, non, merci. Enfin... Peut-être un jour où je maîtrise peut-être un peu mieux le jeu, je sais pas, on verra, mais enfin, c'est pas prévu. Ouais, c'est pas prévu. Quand je l'aurai. Ouais, quand je l'aurai aussi, en fait. Écoutez, si vous avez 70 balles, on accepte, on prend deux jeux et puis... Non, on accepte pas. Tu sais, je vais prendre le Bornheim. Parce que pourquoi pas, voilà. Parce que je suis... Apparemment, il fait vraiment pas de dégâts, le Bornheim. Ah, yes. c'est cool. Je suis sûr que d'investir beaucoup plus d'argent dans les armes, ça va me faire de moi un meilleur joueur, en tout cas. Oui, je vais demander la carte de crédit de ma mère. Yes. Ça marche. On est bon ? Non. Attends, j'ai acheté des améliorations. Ouais, voilà, faut que je prenne mes skills. Ils sont tous passés niveau 14, je suis encore niveau 1. Que veux-tu ? That's the life, hein. Y'a quoi ici, là ? Réduit la portée de réaction des animaux. Ouais, mais j'ai pas de trait, de façon, alors ça sert à quoi ? Ça sert à rien, voilà, voilà à quoi ça sert, je te le dis, moi. Si vous voulez, je peux vous filer mes idées de compte Tarkov, vu que j'y joue absolument pas. On verra Hoffman, on verra. Je sais pas si on va le faire, de toute façon, parce que c'est un style de jeu très particulier. Ouais, voilà, c'est ça le truc, hein. C'est encore plus particulier que... Ouais. À part si je fais juste de la vente d'armes du début jusqu'à la fin, en fait, du stream. C'est ça, ouais. Genre, vous allez juste voir un inventaire. En fait, ça peut être marrant, hein, mais... Tu crois qu'il y a des streams de EVE Online ou avec des mecs comme ça, justement ? Je sais pas. Tu développes par la pensée. Oui, chaque mort, même si je développe pas in-game, quelque part, c'est de l'expérience, moi, morale. Donc... Ouais, oui. Juste, mais du coup, il n'y a jamais eu de solde sur Tarkov. Je crois pas. Bah non, parce qu'en plus, vu que c'est pas sur Steam, bah non. C'est pas sur leur launcher à la con. Donc, inventaire simulator, ouais, c'est ça. Mais tu sais qu'on en parlait, Ryugan, et si jamais il sortait un jeu d'inventaire simulator, comme dans Resident Evil 4, ouais, comme dans RE4, ouais. Moi je suis chaud, mec. Hein. Tu sais, mais un truc, en plus, tu peux faire un truc à la con, limite, comment dire, tu gères un une guilde d'aventuriers, et tu sais, ouais. Tu ranges leurs trucs et tout. Ouais, ouais, ouais. Mais déjà, il y a un jeu qui va sortir dans pas longtemps, et c'est un jeu indé, tu sais, où tu dois faire des déménagements. Ouais. Et en fait, c'est plus ou moins ça, sauf que tu fais un inventaire dans un camion, en fait. Et il y a de la physique et tout, faut tenir les trucs à deux. Et je pense qu'on va streamer ça, parce que ça a l'air vraiment très drôle, au moins pour faire une soirée, tu vois. Et je pense qu'on va pouvoir bien se marrer là-dessus. Momo, t'es prêt ? Pas tout à fait. Ah ouais, non, d'accord. J'entendais rouler, je pensais que c'était toi, mais non, c'est Spider. Non. Attends, par contre, est-ce que ça m'a consommé mes objets ? Faut arrêter ça tout de suite, j'ai pas pris mes soins. Ah, le serveur du jeu n'a pas réussi à démarrer la partie. Yes ! Putain, heureusement. J'adore ce jeu, mec. J'adore tout ce que représente ce jeu. Faut que je te ravive du coup Momo, parce qu'apparemment Spider est resté là, mais Momo a continué vers l'infini et au-delà. Ah non, mais Momo il a plus le droit aussi. Non, j'ai carré une fois, du coup j'ai plus le droit. Ils se sont dit waouh, ce joueur est beaucoup trop balèze. Un petit peu comme dans l'épisode de World of Warcraft, tu sais, de South Park. Pareil. Comment est-ce qu'on tue quelque chose qui n'a pas de vie ? Normalement, dans n'importe quel RPG, c'est-à-dire que tu faut lui filer une potion de soin. Faut le healer, ouais, comme dans Divinity, comme dans Disgaea, comme dans... Dans Final Fantasy, dans tous les RPG. Dans Persona aussi. J'aime bien ce principe, on le voit rarement... Si, dans les CRPG, ouais, mais dans les RPG normaux, faut juste en mettre des coups dans la gueule, donc... De quoi, j'ai pas compris. Buter un undead en le healant. Ah oui, ouais. Parce que du coup, ça devient un mort, en fait. Bah oui. Il est juste mort. Non, me soignez pas, me soignez pas. On n'a pas quel RPG depuis 30 ans. Ah ouais ? Eh bah dans Skyrim... Je crois pas, non. Après, c'est Skyrim, c'est un RPG. Je pensais, c'est parce que... comment dire, tu sais... on est en train de se faire The Division en ce moment, mais franchement, je serais... Je serais chaud pour faire Divinity 2. Mais tu l'as... Tu l'as pas dit ? Je l'ai pas. Non, on a pas joué ensemble à Divinity 2 ? Jamais la vie. Non. Bah, j'avais joué... juste, oui, Hades, il est sorti à l'OR sur PC. Il est sorti hier. Ah merde. Ouais, non, on l'a pas.
Le mec, il s'est fait un rêve dans lequel on mais joue. Mais mec, ensemble. Franchement, hein. Attends, parce que j'ai joué avec. Ah non, j'ai joué avec Poléon, Skazur, Whisky un peu. Whisky. Mais avec Poléon, il y avait quelqu'un d'autre aussi. Avec Poléon et Skad, il y avait quelqu'un d'autre. Non, ou alors mais on jouait à 3. Je sais que j'avais joué avec Hunter, mais c'était une version spéciale, une édition spéciale. Illégale, craquée. Version presse. Tu veux faire quoi en fait, tu pouvais y jouer avec GOG, en fait. Avec GOG, tu pouvais rejouer. Ouais, vu qu'il n'y a pas de DRM. Ouais. Tu serais pas à faire Dimitri 2 en stream Spider parce que je suis prêt à payer. Bah, le problème, c'est que je le fais pas tout seul, quoi, c'est chiant. Ah non, mais bah, si on le fait, on le fait ensemble. Ouais, ouais. Moi, je serais chaud, hein, parce que je l'ai pas fait Divinity. On fallait les copier. Par contre, du coup, je peux vous carry sur toute la première moitié du jeu, vu que je la connais par cœur, je l'ai recommencé tellement de fois, mec. Déjà, Fort Joy, je connais par cœur, c'est tout le début du jeu, c'est un peu le prologue qui dure 7 heures du jeu. Bah, et comme dans le 1. Ouais, bah voilà. Ah, c'est pareil. Ouais. Attends. J'ai loupé. Non, j'ai pas loupé. Non, j'ai pas loupé. Non, je crois pas. Non, ça va. D'ailleurs, je sais pas si vous savez, mais les essaims d'insectes là, on peut les taper. Hein. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Oh mais non. Ah ouais. Oh, y'a encore une connasse. C'est la merde. Ne me repère pas. Voilà. C'est bon, j'ai chopé le clou. Ah, on peut se casser. Attends, y'a des autres chiens, j'ai envie de les buter, histoire qu'ils se sont fait. Polyon Scad, Whisky et toi, Ruru, pour le premier de Divinity 2. C'est bien plus facile. Juste fermer le portail au pif. Ouais, je me cache. Oh putain, y'a beaucoup trop de trucs hostiles ici. Qui est-ce que tu vends? Je suis en train de courir dans tous les sens, mec. Venez, on va vers l'ouest. C'est moi, Momo, tu m'as toujours tiré une balle. Non, j'ai mis un coup de crosse, mais. Ouais, tu m'as mis dans je voulais péter la vitre, mais t'étais plus rapide. Ah, Iskal, le klepto, qui s'était fait voler son stuff par des randoms dans Fort Joy. Mais en fait, c'est vraiment, vraiment viable de voler tout à tout le monde dans le jeu. Déjà, je connais ma classe préférée dans le jeu, et c'est un voleur qui est juste surfumé. En fait, à chaque fois que tu te spécialises un peu, c'est assez fumé, en fait, toutes tes classes. Quand j'y ai joué, je joue un perso, justement, qui joue beaucoup avec l'environnement, limite un mage. Et je trouvais ça génial, en fait, toutes les interactions avec l'environnement. Ouais, les synergies que tu peux avoir avec les différents mages, c'est assez ouf. Ok, y'a rien. Putain, y'a une connasse, là, je vais lui éclater cette mouche. Merci Bertrand Conta. On peut dire qu'elle avait de noirs désirs. Oh là. Bon, vas-y, tu le fais celui-là. Il y a des coups de feu nord-ouest. Nord-ouest. Ah, c'est le droit de voir. Ah non, nord en fait. Oh, non. Il y a la pute. Je l'ai pas eu. Je l'ai eu. On se détend. Faut faire, putain, elle était par terre. Putain, ça arrive généralement avec une lame. Spider. Oh, la clou est juste là. Merde. Oh, mec, va voir Momo. Putain, supplie. Qu'est-ce qu'il y a? Il est fou le mec. Oh, mec. On dirait, tu sais, la vieille peinture américaine sur le conservatisme américain. Oui. Là, il est juste là le clou, j'ai la flemme d'aller. Mais attends, il est devant ou à l'étage? Il est à l'étage. Au-dessus. Ok, j'y vais. Bah, trop tard, j'y suis. J'ai tellement hâte de voir Divinity Fallen Heroes. Bah, moi aussi, mais finalement, ils ont préféré faire Baldur's Gate 3 et j'avoue que moi, ça me saoule un peu. Après, Baldur's Gate 3, franchement, comme je l'ai dit, je suis trop pressé de voir ce qu'ils vont faire avec les jets de dés éclatés. Attends, je vais m'occuper de ça. Après des jets de dés, enfin, il y en a aussi du coup dans Div. Hein. Ouais. Mais non, mais pas pour les dialogues. Non, pour chaque action, du coup, il y a un jet de dés, enfin, pour chaque baston, c'est du random, hein. C'est du RNG, mec. Hein. Oh, mais au final, c'est comme si c'était un Divinity 2 alternatif. Bah, en plus, l'Ariane, enfin, ils sont pas dans leur habitude de vraiment, justement, changer leur habitude, hein, je te promets que... C'était quoi, on avait testé, du coup, Pillars of Eternity et Tyranny, je crois, c'est ça? Qui sont, enfin, ouais. Ils sont identiques, quoi. Les jeux, ils sont vraiment identiques. Les deux sont de l'Ariane, oui. Obsidian. Mais c'est un peu le même style pour l'Ariane de toute façon, et ouais, pour le coup, ouais, Obsidian, c'est vraiment, les deux étaient identiques, ça m'a vraiment fait rire, quoi. Ouais, c'était leur ATH, en fait.
Ouais, c'est même... la TH, et même j'ai l'impression les assets des fois. Fais gaffe, il y a des. Paye, ouais, non, je vais pas là, moi, ça me saoule. Jamais joué à Baldur's Gate. J'avais joué un petit peu au premier Baldur's Gate. Bah ouais, moi aussi, mais vu que c'est du temps réel, ça m'a cassé les couilles. Là, bah pareil. Vu que 3 c'est du turn-based, bah, du coup, je suis plutôt content. Hein. Franchement, turn-based supérieur à temps réel direct. Mais sans. Enfin. Je prends la clé. Le fait, c'est que de toute façon, le temps réel, c'est injouable pour moi. Donc, la question se pose pas. Ok, le boucher, du coup, est juste là. Dans le. Bah, dans là-dedans. Là. Ouais, le. Tu prends la bouche, là. Donc, après, il va pouvoir être utile pour séparer les connards. Rituel le spectre, ok, donc il y a des mecs qui s'occupent du spectre, c'est pas mal. Ouais, ça va peut-être attirer les cons. J'ai pris le marteau. C'est toi qui as tiré là? Ouais, non, c'est ok, c'est toi qui est en train de taper les trucs. J'ai pété un truc. Ouais. En fait, parce que les parts qu'ils ont bloquées, tu peux les défoncer à coup de. À coup de crosse. D'accord. Du. Ouais, de marteau, de. Enfin, de. Enfin, n'importe quel objet quand tu tapes dessus. Ouais, de coup de corps à corps, quoi. Ok, il arrive, je l'ai fait. Comme s'il s'approche. Perso, j'aime bien quand c'est du semi-temps réel, ça veut dire quoi, semi-temps réel? Tu peux faire. Tu peux mettre la pause. Ouais, mais ça, c'est ce qu'on appelle le temps réel en fait, hein, mettre la pause. Non, c'est pas juste du temps réel où tu dois gérer tous tes trucs. C'est du temps réel si t'es un caractère action game. Bah, c'est ça, ouais. Je brûle. Sa mère la pute. Ça brûle. Ouais, pareil, je brûle. Je vais vous aider un petit peu. Oh putain, c'est toi. Oui, bah oui. Excuse-moi, hein. Je fais que je vais faire. Genre, par exemple, Dragon Age 1, il m'a cassé les couilles. J'ai adoré le jeu, hein, mais le système de combat, je l'ai trouvé à chier. Ah bah du coup je comprends parce que moi aussi c'est vraiment pareil. Hein. Je ne supporte pas les temps réels. Bah c'est vrai que bah, Pillars of Eternity, j'ai joué genre une heure quoi à tout péter. C'est vrai que alors, Bornheim il a pas l'air de faire beaucoup de dégâts. Ouais. Je vais annoncer un truc tout de suite. Faudra pas marcher, faudra pas aller en bas. Hein. T'as mis des pièges? Ouais. Ok. Donc vous sortez pas par le truc. T'as le chanteur de Cattle Decap en face de toi. Il est où le gros? Il était à l'étage. Et là il est en train de descendre. Tu veux voir s'il y a des ennemis dans un petit périmètre autour du boss en appuyant sur le bouton de vision spectrale. Si l'icône du boss clignote blanc, il n'y a personne. Si ça clignote en rouge, ça veut dire qu'il y a des ennemis dans un rayon de 50 mètres. Ok, bah ça clignote blanc. Et si ça clignote en bleu. C'est que tu dois courir, poteau. Run. Mais j'ai fait le con de ré. J'ai fait le con de ré, ça. Pourquoi, Russell? Bonjour. C'était près, donc c'est... Il a pas de tête. J'ai refait une connerie. Il a pas de tête. Momo qui fait propager les brûlures. Y'a Jean-Jean qui dit si ça clignote en bleu, c'est que t'es gay. Ah. Ennemi, là-bas. Il m'a vu, je crois. Ouais, je l'ai vu moi aussi. Oula. Tu m'as fait peur. Ah bah bon, t'en as pris une. Ah oui, oh la vache, le mec il s'est amusé là. Il a juste attendu. Bon bah du coup Momo... Il y en a un là-bas aussi qui pute. Du coup ils sont partout en fait. Ouais. Ouais, tu l'as vu. Tu carries. T'as voulu faire péter le baril? Oui. Ah bah ouais, bon ouais. Mais vu que c'est des barils à retardement finalement... Des barils retardés. Oublie pas, t'as qu'une seule balle dans le chargeur. Ouais, faut que tu recharges. Il savait. Avant quoi. Ah bah ouais, non mais le gars... Lui, mon gars, avec sa lunette, là, il a fait ce qu'il voulait. Bon, c'était cool. Ouais, j'ai bien aimé. Comment ça me coûtait cher, moi. C'est parti, je pense que je vais prendre un mec qui voit rien après, parce que... Vas-y, Momo, le last stand. Bah voilà. Bah, c'est bon. Last stand, ça veut pas dire qu'on gagne, hein. On s'en fait une dernière. Il va faire la scène, hein. Ouais, une petite dernière. Une petite dernière et puis on y va. On n'est pas meilleur, hein. De quoi? On n'est pas meilleur au jeu, hein. Ah non. Non, ouais. Par contre, sur Division, on vous attend. Hein. non plus, parce que j'ai pas envie de faire du PVP, moi, donc... Bah on va aller en Darkzone. T'as 16k, t'es large. Continue waiting. At least one another member of the... Quoi? Je suis en chargement.
Non, ouais, tu me casses les couilles. Hein. Oh non, je vois le jeu, il est en train de me proposer des trucs. GDL Division 2, je vous carry quand vous voulez. Ah non, ça, c'est un truc que je supporte pas. C'est le power level ou être carry dans un MMO ou un RPG. Franchement, mec. À chaque fois en plus que tu dis, tu sais, ah, j'ai réinstallé Diablo 3, t'as un tsunami de mecs qui arrivent pour dire je te pèle. Je suis pas en gros 8 milliards. J'ai 7000% de chance de courir plus vite quand je tape un ennemi. Non mais mec, non, je supporte pas quoi. Ouais, non, c'est relou. Et on a vu Hoffman que t'étais niveau 502 dans Division 2. On est allé 512. Voir ton profil, hein. 512. On est... Ton perso, il est éclaté. Ton perso est assez moche, mais il y a un respect quand même. Il a un charme. Ouais. Il a quelques... Il a un physique. Et du coup, Hoffman, dans ton inventaire sur The Division 2, t'as une putain d'arbalète tout en haut. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça vient du DLC ou... Ouais, ou pas ouais. Dis-nous. En plus, quand tu te fais PL, tu comprends plus rien une fois que tu t'es fait lâcher. Bah oui, c'est ça, ouais. C'est comme quand tu reprends un vieux MMO, tu vois, que t'as pas joué depuis longtemps. Genre, moi, ça m'est arrivé ça sur... comment... Merde, Guild Wars 2. Récemment, quand j'avais essayé de rejouer, j'étais pau max, mais un truc de malade, mec. Hein. Je savais plus rien, je connaissais plus mon perso, je connaissais plus le gameplay cycle. Vraiment, c'était horrible, quoi. L'arbalète, c'est l'arme d'une des trois spé de base. Ouais, mais du coup, tu fais comment ? C'est-à-dire, c'est niveau 30 ou alors faut vraiment genre l'une, acheter le. L'une MC. Des trois spé de base ? En gros, je crois que t'as arbalète. Enfin, t'as pas mal de trucs, et, mais c'est en gros, c'est ton ultime, quoi. D'accord, niveau 30. D'accord. Bon, bah. D'accord, ok. Putain, je savais même pas qu'il y avait 3 spé. En fait, c'est quoi 3 spé ? T'as arbalète, et je sais plus les deux. Les skills qu'on a là déjà avec la ruche et tout ça. Sniper calibre 50 et des lances grenades. Ok. Et pourquoi t'as pas pris. Pourquoi il y a deux choix que t'as pas à prendre de toute façon ? Pourquoi t'as pas pris le sniper calibre 50, je crois pas ? Pourquoi t'as pas pris lance grenade ? Pourquoi t'as pris. Lance grenade surtout ? Non, pourquoi t'as pris le sniper calibre 50, je crois pas ? Y'a rien de mieux qu'un fusil antimatériel ? Et t'as 3 spé semi-DLC chelou. Ah oui. Tu peux switch entre les spé. Ouais, d'accord, ouais. Ok. Je refais mon stuff, hein. Vas-y, monsieur le rédempteur. Hein. On a le temps, c'est notre dernière partie, donc autant la savourer. Moi, par exemple, j'y vais avec un perso gratuit. Donc. Ah, mais ça m'énerve, c'est bon, ça m'énerve, là. Ça m'a mis en colère, là. Tous les prochains, je te les encule. Hein. Je suis le seul qui pense qu'au milieu du contrat aléatoire, là, qui est sur la droite, tu vois, il y a un point d'interrogation. Donc, c'est le boucher qui est au milieu. Et on a l'impression que c'est Yoda. Ah oui. Moi je vois que ça depuis le début, hein. Depuis qu'on a commencé à jouer en fait. Il y a de ça. Des éons. Ouais. Avec l'aspect arbalète, mon Desert Eagle il tape à 250 000, c'est éclaté. Ah oui. Moi je fais du 6 000. Non mais en fait le truc c'est que le théorie crafting c'est pas pour le moment. Ah ouais, non, c'est pas au niveau 10. Non, ça c'est clair que c'est pas au niveau 10. Non, on est niveau quoi ? On est niveau 14 maintenant. 13, 14. Ouais. Je crois qu'on a passé niveau 14 tout à l'heure à la fin de notre session. Si vous survivez, votre chasseur conservera tout l'équipement ramassé pendant la mission, y compris les traits. Oui, oui. C'est... On peut ramasser les traits ? Non, on peut pas les ramasser, mais c'est les compétences en gros. Et... Ouais, bah c'est mal dit, hein. Je suis désolé, c'est mal formulé, c'est tout. Oui, bah déjà qu'ils se galèrent avec leur localisation. Oui, déjà qu'ils confondent le français et l'espagnol, si tu veux, faut pas leur demander grand chose, j'admets. Hein. Déjà, ils ont réussi à choper un mot français. C'est déjà pas mal, ouais. Je fais pas de théorie crafting, mais t'as des armes tellement éclatées que tu peux tirer des balles à 2 millions de dégâts. Ça, j'avoue que c'est un truc qui me fait assez bander dans Diablo, ça. Quand t'arrives aux centaines de millions, aux milliards, aux pétas, aux... Je t'avoue qu'en fait, quand on jouait, on en a refait tous les trois il y a pas longtemps. Mm-hmm. Quand Russian avait chopé une spé qui était même pas un, enfin il avait fait un assemblage de trucs qui était même pas inscrit sur comment dire sur les sites. Il faisait des millions, des milliards, pendant que nous on était encore à des petits millions. C'était vraiment nul, c'était un truc qui faisait l'équivalent de 10 000 secondes de dégâts ou un truc comme ça. Et du coup je faisais des dégâts improbables et je comprends pas vraiment d'où ça vient ce truc là. Parce que c'est juste cheaté en fait, enfin c'est facile quoi, tu dis bah je tue tout et voilà. Et je comprenais vraiment pas d'où ça venait. Et ouais c'était éclaté du coup, et c'était même pas vraiment fun en fait au bout d'un moment parce que Bah ouais, c'est pas fun quoi. À la fin j'ai tout enculé si tu veux. Une fois que tout le monde était à peu près à un niveau viable par contre, c'était pas... Un niveau viable d'enculerie en fait.
J'ai... Oh, il y a eu des tirs en or. Est-ce qu'on y va direct au pire? Non. Non, on va aller à la clou, et puis de toute façon, ils vont aller à cette clou là aussi, je pense. Hein. Ouais, et puis après, faut aller faire des courses. Oui. On va aller à Aldi. Oh putain, il y a un filet devant là. Tu peux pas tuer. Hein. Ah oui, non, c'est vrai. Comment on fait? T'as un truc au corps à corps? J'ai un flingue. Ah oui, il faut pas genre le percer. Non, justement, il faut pas le percer en fait. Oui, c'est ça, même avec un couteau, tu peux pas. Voilà. J'ai aidé. I'm helping. Oh, maintien pour piller. C'est quoi? Ah, oh. Plus inconsommable. D'accord. Mais d'accord. Ah, c'était pas là avant ça. Ah oui, j'ai déjà. C'est quoi? Ice bomb. Ah, ça peut être pratique. C'est quoi moi que j'ai eu? J'ai eu quelque chose ou? Ah oui, j'ai eu une. Bah, une. J'ai eu une bombe incendiaire et une grenade KO. Captain Chaos. Vous connaissez Captain Chaos de Trollfest? Ça me dit pas grand chose. C'est une chanson. Tu es Capitaine Flamme? Ouais. J'aimais bien que j'étais petit. Mais moi, tu sais que j'ai jamais vu un seul truc de Capitaine Flamme, je suis même pas sûr d'à quoi ça ressemble. C'est un bouquin. Tu sais que je te déteste. Attends, j'ai entendu des tirs ou c'est moi qui suis fou? Oh, le drapeau, il est beau. Il est beau le lavabo. Non, c'est un drapeau, c'est pas un lavabo, Russie, voyons, fais un effort. Je suis désolé, je fais ce que je peux, je suis pas allé au four et à la gourmandise. Hein. Mais regarde le drapeau là. Putain, il est vachement neuf pour le reste du truc. Mais oui, tu vois. J'avoue qu'il. Je me suis pété la gueule. Tu t'es pété la gueule? Non. Je suis pété la margouvette. De toute façon, faut qu'on passe par là où t'es. Personne me suivait depuis le début en fait, j'ai paniqué pour rien. Alors. Y a des clous par là-bas, là, au sud. Sud-sud-est. Ouais, faut qu'on prenne bien large parce qu'il y a une connasse. Sur Diablo, quand j'y jouais avec Scad, il était une cracotte, par contre, je one-shotais les boss en tourment 16. C'est. Ouais, on s'était arrêté. On est pas au tourment 15-16? Bah, si, on était au tourment 16. En fait, à la fin, on a arrêté parce que ça. Comment dire. C'était juste. Relou, je crois. Non, on a arrêté parce qu'on a pas joué. Non, ça me saoulait pas particulièrement, moi. Non, non plus, non. C'est juste que je crois qu'il y a eu pas mal de trucs. Je crois que c'était pas les parades de Noël, non? Du coup, on a pas été là pendant un bout de temps. Ouais. Puis, quand on est revenu, on est passé à autre chose. Il y avait autre chose, on y a pas repensé. On a. Ouais, non, mais. Non, c'était pas chiant, j'avais bien aimé. Non, oui, vers la fin avec moi, parce qu'on y jouait souvent tous les deux. Spider, tu jouais pas beaucoup, toi. Mais on était en tournant 15-16, mec, à la fin. Je crois. En fait, le problème, c'est que du coup, tous les trucs que je voulais augmenter, je les avais augmentés. Et grinder juste pour, 0,1. Pourcent, ça, je sais que c'est le but, hein, mais ça m'engageait plus trop. Ouais, bah oui, je peux comprendre. Ouais, c'est compréhensible. C'est un style de jeu très très particulier, Diablo aussi. Ah, non, hein, mais... Par contre, j'ai kiffé, hein, mais c'est juste que vers la fin, ça commençait à. Ouais, le grind final, quoi, il t'intéresse pas. En fait, tout pour y arriver, c'était cool. Quand c'est long, c'est trop long, quoi. Mais ouais, quand t'es rendu au min maxi. Diablo 3 a tendance à me saouler assez vite par rapport à Path of Exile. Bah, après, Diablo 3 c'est extrêmement simple aussi, donc c'est vrai que Path of Exile par exemple, c'est le genre de truc, moi je jouerais jamais parce que ça me casserait les couilles direct, quoi. Pareil, ouais, c'est relou. Rien qu'à voir, si tu veux, l'arbre de compétences, moi je jamais de la vie. J'ai ouvert l'arbre de compétences, j'ai dit c'est bon, j'y joue. Ouais, c'est ça en fait, ça m'a permis de me rendre compte qu'en fait c'était pas pour moi, tu vois. C'est ça, ouais. Surtout quand tu sais que tu peux pas respect facilement. Enfin. C'est le mec, ouais. C'est moi qui tire. Ok. Ouais. Je l'ai pas eu. Bravo, nous, c'est vrai. Ah, bah y'a un clou là. Ouais, c'est pour ça, mais t'es juste à côté en fait. Non, mais une autre en fait. Y'a une autre clou et là vous êtes à côté d'une, je crois, non? Ah non. Bah, on peut plus l'activer. Bah, parce qu'on a trouvé les indices qu'il fallait, non? Bah, non, oui, mais en fait y'a qu'une seule cible. Bah, non, bah pourquoi on peut pas en fait? Pourquoi Moumou il a activé son micro? Non, je suis. De quoi? J'ai vu ton micro s'activer. Ah bon? Bah attends, ça? Ah oui, dis donc, ah c'est marrant! C'est quoi? Tu t'appuies sur quoi? C'est Alt. Allô. Bonjour! Ça marche quand on fait ça? Non. Je vais te buter, mais. Ok. Alors attends. Le problème, c'est que les gens vont pas parler. Vous parlez de quoi par contre avant que. Non mais il me semblait qu'il y avait une clou en haut en fait. Mais non, il n'y en avait pas. Il n'y avait qu'une seule clou à Fort Carmack en fait. En fait, il y en avait plusieurs.
Mais quand on en prend une, j'ai l'impression que ça lock toute la zone. Bah c'est bizarre, non? Ah, je me suis fait mal. Je me suis fait super mal en fait. Mais c'est, ça me paraît bizarre, non? Aïe. Ah putain, oui, moi aussi. Il y a une clue. Derrière toi, Spider. C'est bon, je t'ai. Elle te suivait en fait. Oh la vache! Oh le Death Squad sénégalais! Ah bah. Oh putain, oui, ils sont en haut de la. Oh putain, il y en a deux en plus! Ah les enculés, la vache! J'ai rien pour me soigner en plus! Bah non! Oh les sales putes! Mec! Oh comment ça se fait, app? Oh! Oh je l'ai tag, mais il m'a buté! Putain! J'ai qu'un fusil à plomb. Bah, c'est pas bien, je suis dans la même situation. Avec un fusil de chasse à une cartouche. Reste-moi, je suis derrière. Oh, c'est chaud. Oh, bah. Il arrive. Oh putain, il est en train de te taper à la machette. Vas-y, combat de machette dans l'herbe. Oui. Tu l'as. Oh non. Dommage. C'était bien tenté, c'était bien joué. Je t'avoue qu'il y a tous mes orifices qui s'est serré d'un coup. Oh, c'était ouf! Mec, dans les hautes herbes, quoi, le truc à la King Kong. La saveur de la brousse, comme on dit. Ah, mec. Bon, et bah, c'était une super dernière game. Ouais. Franchement, félicitations à tous. On en a gagné une quand même, hein. Ouais. Donc c'est déjà mieux que zéro en fait quelque part. Mais bon, on va continuer à jouer un petit peu, on va s'améliorer et puis on refera peut-être d'autres streams de Hunt. De toute façon, c'est des trucs qu'on peut streamer ça un petit peu tout le temps. C'est toujours sympa le soir. Voilà, on fait une petite heure et demie, on a fait une petite heure et demie en plus, donc c'était cool. En tout cas, on espère que ça vous a plu. On va faire un gros bisou, que ce soit à YouTube et à Twitch, du coup, c'est comme à ça que ça s'appelle. À tout le monde en fait, ouais. Je vais vous trouver une petite track de Skindred parce que c'est sympa Skindred et puis on va partir comme ça. D'accord. Attends, non, pas Skindred. Tiens, qu'est-ce que je vous mets? Tu peux pas mettre le pire du hum-hum pareil, mais... Du hum-hum. Non, je vais foutre du Tribeca, tu sais quoi. Il y a un petit côté africain que j'aime bien. Ça fait un peu été. Allez, bisous tout le monde, ciao. Et on se dit plus... C'est qui stream demain? On peut dire qui stream demain ou pas? Bah, c'est moi. C'est toi? Ouais, bon, on va pas le dire, alors. Allez, bonne nuit tout le monde, ciao. Deux, bien évidemment. J'ai coupé Momo quand il disait bisous, mais le cœur y était. Allez, ciao tout le monde.